traverse vient d'être changée cette année. Oui, oui. On a fait deux gros chantiers l'année dernière et cette année, au mois de février-mars, de 2 à 3 semaines. Et c'est ETF qui a pris les hanches en main et nous, on faisait l'approvisionnement des chantiers. Quoi. D'accord. Donc, sur le total, je dis, ça fait 120 000 euros d'investissement en travaux de bois. Tous nos aiguillages sont rénovés. Là, on fait des portions presque complètes, de façon à aller jusqu'au bout de la ligne. D'accord. Là, il y a un quai, une espèce de quai là pour descendre. Alors ça, c'est l'escalier de la mer de Nîmes. Et quand on a des trois restaurants avec des groupes, au retour du casque, les gens mangent à bord, au retour on s'arrête là, ils vont à pied dans le petit hameau, là, le hameau de la mer de Nîmes, la fameuse machine à laver vedette. C'était là où elle habitait. Oui, elle habitait quand elle était garde barrière ici. Et quand elle a quitté son service, elle a habité dans le hameau à côté, et il y a fait un retour. Mais il y a le lavoir de la mer de Nîmes où elle avait son linge. C'est bien vrai. Donc ça fait partie de la visite, donc on a créé un escalier exprès. C'est excellent. Donc là à droite on a notre atelier, là d'accord. On range notre matériel et l'entretien l'hiver. Et puis le beau PN de la carte. Le beau PN qui est bien fleuri. Ouais, il est beau hein. Ouais. Garde de ville, oui. C'est la dernière garde barrière de la ville. Regardez sur OpenRailway Map, elle est plus loin en fait pour la remise en place. Oui, bah, tu vas voir, c'est intéressant.